Bah ça va super, je suis content d'être là. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur une compétition, donc là ça fait du bien d'être de retour. Racontez-nous ce qui s'est passé, une opération du genou. Ouais voilà, une opération du genou. Donc voilà, quand on est cycliste et qu'on a une opération du genou, ça inclut une immobilité, donc un éloignement des courses et du vélo pendant quelques temps. Mais voilà, là tout est derrière moi et maintenant je vais de l'avant. Dans la tête, il n'y a pas eu de doute, ça va ça. Vous êtes juste dit, bah, il va falloir décaler. Bah, peut-être que le doute, je l'aurai ce soir après la compétition. Non, franchement, je ne sais pas trop où j'en suis. J'ai bien travaillé, j'ai refait pas mal de travail. Donc, maintenant, non, je ne doute pas. Voilà, l'équipe me laisse le temps de revenir. Moi, je prends les courses pour la préparation. Et voilà, ça va vite revenir maintenant, c'est sûr. C'est un peu tôt parce qu'il va y avoir le test d'aujourd'hui. Mais quelles sont les étapes que vous fixez du coup? Bah, de voir déjà m'étalonner, voir un peu où j'en suis. Donc là, il y a cette course-là. Bon, ça correspond pas trop à mes caractéristiques, donc c'est voir si j'ai le rythme, refaire du rythme. Après Finistère, ça sera déjà un vrai test parce que c'est déjà vallonné, il y a déjà de quoi faire. Et après, si l'équipe, si le staff juge que ma condition est suffisante, pourquoi pas faire un retour sur les courses, sur le tour au Romandie. Donc ça sera vraiment là le premier gros test pour moi, vu qu'il y a deux chronos, de la montagne. Donc c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est quelque chose que vous avez envie, la Romandie, c'est une course particulière. C'est une belle course, vous aimeriez bien y aller. Ouais, c'est clair, j'aimerais vraiment bien aller. Hein. Je monte d'école tous les jours à l'entraînement. Donc c'est clair que les montées en course, c'est quelque chose que j'aime. Je suis grimpeur, donc c'est une des courses de montagne de l'année. Moi, je loupe le Giro donc, suite à cette opération. C'est trop tôt, c'est trop précoce. Du coup, si je ne fais pas le Romandie, bah, je n'ai pas de montagne avant pas mal de temps. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien la faire. Mais après, avec Thibaut, il faut être compétitif. On ne peut pas y aller comme ça en reprise. Donc, après, c'est un cadeau empoisonné de ne pas être prêt. Donc, vraiment, si je ne me sens pas prêt, c'est pas la peine. Avec votre entraîneur, avec vos médecins, ils vous ont dit combien de temps pour revenir à votre niveau? Bah, je sais pas, là je me suis déjà bien entraîné, j'ai déjà accumulé les efforts, je me sens assez bien, donc je ressens pas trop de douleur, je ressens rien, donc ça va. Après le problème c'est vraiment le rythme de course à revoir, parce que l'entraînement c'est difficile de vraiment remplacer la course. Donc j'ai fait du travail de qualité, mais après est-ce que ça suffira pour être direct dans les temps? Bah, j'aurai la réponse ce soir.